1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et salut à tous, et ici le nettoyeur. Bah, du coup je vais continuer à nettoyer les rues comme d'habitude. Au moins de nettoyer le maximum, le plus gros, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Let's go. C'est donner un coup de main, c'est humain. Après que le cantonnier qui ramasse le plus gros, bah, c'est son boulot, d'accord? Voilà. Et si on continue comme ça, on va marcher sur les déchets. Ouais, voilà, c'est... T'as un gars là-bas. Juste là-bas, en bas. Bah, j'arrive pas. Oh, c'est... Allez, la pourriture. Je suis vraiment en chantier là. C'est, j'ai l'impression de braser du vent. À chaque fois je nettoie, mais c'est toujours sale, c'est toujours sale. Et même en période de confinement, c'est toujours sale. Regarde-moi encore, c'est crasseux. Ça, j'appelle ça de la mauvaise foi, ça. De la mauvaise foi, ça. Nettoyez juste le devant de vos portes. N'attendez pas que les cantonniers viennent nettoyer. Voilà, parce qu'eux aussi sont un peu débordés. Hein. Parce que moi aussi je paye les impôts. Hein. Tout le monde paye ses impôts. Hein. Même les cantonniers payent ses impôts. Hein. Donner un coup de main, c'est humain. Le cantonnier ramasse le plus gros car c'est son boulot. Allez! Du coup, si cet épisode ça vous a plu, on fera ça une prochaine fois tranquillement. Si tu veux me soutenir, c'est très simple. Tu t'abonnes, tu mets un like et tu partages. Et je te dis à bientôt pour le nettoyeur. Allez, ciao.